Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons pris notre décision. Nous acceptons l'offre faite par l'Alliance Eorzéenne de faire front commun contre l'Empire. Toutefois, il y a un inconvénient. Merci. Pouvons-nous savoir quel est cet inconvénient? Rassurez-vous, nous sommes très honorés par la proposition que vous nous avez faite. Mais vous devez savoir que par la nature de son combat et son besoin d'opérer dans l'ombre, l'armée de libération miguoise n'est pas une organisation centralisée. Elle est en effet composée de diverses petites factions, et par conséquent, je ne peux parler qu'au nom de celle qui est sous mon commandement. Il va sans dire que nous essaierons de convaincre les résistants avec lesquels nous sommes en lien direct, mais rien ne garantit qu'ils donneront leur accord. Nous comprenons tout à fait. Nous allons tout d'abord informer l'état-major de l'Alliance que votre groupe accepte de coopérer. Je vous remercie. À mon grand regret, nous avons perdu un nombre trop important de combattants valeureux à cause des manigances du Griffon. Depuis, nous avons essayé tant bien que mal de renforcer nos effectifs, mais la tâche n'est pas aisée. Vous pouvez toutefois compter sur nous pour faire tout notre possible afin de collaborer étroitement avec l'Alliance Eorzéenne. Laissez-nous vous aider alors. Ce sera un excellent moyen de prouver à tout le monde que nous sommes vos alliés. Je ne saurais refuser l'assistance de gens qui partagent nos convictions. C'est plutôt moi qui vous prie de nous apporter votre soutien. Yashtola et moi allons donner un coup de main à l'infirmerie. Nous avons remarqué que vous manquiez de personnel pour prodiguer des soins aux blessés. Pour ma part, je vais retourner de l'autre côté de la muraille de Baelsar et recruter des volontaires parmi les héritiers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il se trouve que j'ai confié des missions importantes à Ménago et à Mefrid. J'aimerais que vous les assistiez. Vous pouvez compter sur nous.